sel, oignon. On met un tout petit peu de beurre. Et on met tout. Voilà, on met le couvert. On couvre un peu. Voilà, pour que. On noie rapidement. Ok, on laisse. Disons 5 minutes pour bien venir regarder et tout. Ça, c'est des fromages que j'ai coupés, que je veux mettre dessus et tout. Avec les hot dogs aussi que j'avais coupé et mettre dessus. J'ai pris des pains arabes pour pouvoir dorer un peu les faces et le rendre un tout petit peu crispy. J'ai mis ça sur le bol. Ok. Voilà du poivron pour un peu de couleur. Et c'est ça qu'on va rouler en fait. Donc les voilà, les œufs façon shawarma sont finis. Yombo badé koub greg men ko def. Alors juste pour le pain arabe, on peut mettre la mayonnaise. Mettre la mayonnaise, mettre du ketchup, du qu'on veut. Après on va mettre les œufs. Mettre un tout petit peu de fromage et laisser au four pendant 2 minutes. Alors c'est tellement bon, oh my gosh, like. Merci beaucoup pour la ref. Reine du goût et les presses. Alors Minta, toi, comment tu laves? Juste avec du ketchup, right? Ouais, du ketchup et du fromage. Et après on met les œufs. Amène les œufs. En mettre pour toi, ouais. Assez. Donc on met la dose qu'on veut et on met ce qu'on veut à l'intérieur. On peut mettre du fromage, on peut mettre tout ce qu'on veut. Moi j'ai mis du piment pour moi. J'ai mis aussi il y en aura trop, on va en faire un autre. Donc juste ça, et tu peux fermer après, juste les deux côtés. Après les deux côtés, non, moi voilà, vas-y, et ça. Après, tu fais ça et tu tournes et tu mets ça au four, comme ça le fromage va fondre. Voilà. Il y a les deux autres là, je pense que le mien est déjà prêt. Parce que moi, j'ai mis de la mayonnaise, je vais prendre la mienne. Parce que je vais le mettre sur le poêle là. Le poêle, ouais. La poêle, ouais. Parce que avec ça, le fromage peut. Voilà. Et c'est très bon. Voilà. Bien croquant. Voilà.